J'étais en train de marcher le long de la route avec deux amis. Le soleil se couchait. Soudain, le ciel devint rouge sang. Tremblant d'angoisse, je pris conscience du grand cri infini de la nature. Permets, ça a tiré le truc. Dans l'atelier de l'artiste, un trio fantomatique joue une étrange pantomime. Là peut être utilisé pour cette pose. Je pense que ça collerait à l'intention. Je te peins sans cesse. Sans cesse tu m'échappes. Femme inaccessible. Elle n'est pas oppressante, elle est angoissante pour l'entourage. Edvard Munch n'a pas connu de rapport serein-femme. Femme qu'il représente donc en apparition, souvent vêtue de blanc, fuyante et inquiétante. Une petite carré tête de 5 cm, le recul qu'on a, je pense. Comme ça, il faut mettre comme ça. Voilà, pour que j'ai une bonne inclination du visage. Ça, c'est du taille pour toi, tu vas te mettre comme ça. Ça tirerait pas ta composition de corps. Ouais. Je vais te la faire en face de toi. L'artiste explorait et restituait ses angoisses dans sa production picturale. Nous sommes notre propre catalyseur. Je souhaite représenter ici la victoire de Thanatos, la frustration, la négativité sur Eros. Désir, pulsion de vie. Tu vas au fur et à mesure te blottir contre elle, et si tu peux, tu vas finir comme ça sur elle. Mes amis ont continué à marcher, et je suis resté là, tremblant d'anxiété.